Ouais, mais il nous a pas mal mes amis. Genre c'est le Il envoie 3, le le 3 Insta par juin. le FC Barcelone. La chevauchée de Neymar. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Attends, je lui ai envoyé un message. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Ouais, on le découvre même en ce moment à l'image. La composition de l'OGC Nice. Regardez là. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Ouais, avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Cosiello. Non mais non mais. Le ballon est sorti, touche pour le Barça. Les joueurs qui relancent vite. Ah, ils sont allés vite sur cette touche. Luis Suarez. Cyprien. Attention, ça peut être dangereux. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire. Jean-Michel Seri. Non mais. Et ce ballon qui finit loin du but. Sergio Roberto. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Ouais, touche pour le GC Nice. Ah, mais si. Esric. Mathieu Bonnemer. Cosiello. T'es sûr? Ouais, bah alors là, ça veut pas dire ça. Attention, il a du champ devant lui. Avantage fait signe l'arbitre. Ça joue, centre peut-être. Putain, y a personne. Putain. Ivan Rakitic. Alors là. Il transmet à Si, Messi tu sur mets avec si, mais, dis, si tu marques avec Ter Stegen dans ce match. Attention, la passe en profondeur. Écoute bien ce que je vais. Je le filme et je le mets sur ma chaîne. Suarez. T'as compris? Luis Suarez, oh, but t'as de compris, Luis Suarez. Si tu marques avec ton Ter Stegen, je filme et je mets sur ma chaîne. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Il poursuit sa course, il ne semble pas disposé à donner son ballon. Ivan Rakitic. Ah, un bon ballon d'attaque. Encore pour Suarez. Oh non, dans ses pieds. Ouais, ça c'est bien joué. Non mais. Ah ouais, très bien pris. Ouais, la bonne non, passe mais... Ah oui, le bon ballon oh, là. Yes. Non, Suarez, non pas yes. Et encore un but. Un deuxième but. Et ça fait deux buts. Superbe doublé pour lui. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Ne pas stresser. Mathieu Bonnemer. Avec 2-0. Non mais pas lui. Ouais, il touche pour le GC Nice. Putain, par contre, Messi. Cosiello. Peut-être une bonne opportunité, attention. Pas mal de déchets pour l'instant. Hein. Attention, il peut relancer non. Le match là. Putain. Ter Stegen ne marquera pas. La passe en profondeur. Lionel Messi. Non mais. Il frappe vers le but vide. Non mais. Ah oui, il y est. Succession de passes très précises. Après le duel face au gardien, non, c'est propre. Rien à dire. 3-0, ils prennent le large. Et ce ballon qui est perdu. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Oh, le grand danger. Mais normalement, parfois, en tout cas, les buts appellent les buts, Pierre. Il est devenu un peu gourmand, mais... on connaît. Le duel avec le gardien maintenant. Non mais quoi? Et l'arbitre qui désigne le point. C'est une catastrophe. Pénalty c'est pour une le catastrophe. Barça. Le pénalty qui est transformé. Alors on voit son troisième but dans ce match. Il y a 4-0. La défense a toujours pas trouvé la solution contre lui. Hein. Il est en Allez, train c'est de parti. Faire un remontada. Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde.
Ils attendent une ouverture dans la défense. Non, mais j'en ai marre. Ah, et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Oh, je sens que je vais passer à quelle heure. C'est le match calme. Et Blaugrana qui ont le ballon. Oh, la belle passe. Ce sera donc une sortie de but. Non, mais il n'y a que 4-0. Monté. Donc voilà. J'ai pas la pression. De toute façon, je joue sans pression. Alassane Pléa. Ils enchaînent les passes. Le gardien qui va sortir. Elle la voilà. Voilà. La frappe. Non, mais. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Il va chercher un partenaire dans la surface. Ouais, la frappe. Ah, c'est complètement dévissé. Le marche. Autant tu défendais mieux sur les deux autres matchs, mais là. Ter Stegen. Quoi? Jean-Michel Seri. Jordi Alba. Allez, je meurs pas là par. Non mais. Ouais, c'est pour le gardien. Mais c'est pas possible. Allez, corner à suivre. Tiens, je suis trop chuté. Mais ce n'est pas fini. Ah, il a décidé d'y aller tout seul. Luis Suarez. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. En profondeur. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Mathieu Bonnemer. Jean-Michel Seri. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Il perd le ballon. Jean-Michel Seri. Ouais, le bon ballon de contre. Allez, Seri. Putain. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Neymar. Oh, c'est casse-cou. Ouais, un bon ballon d'attaque. Et voilà. 5-0. Et l'attaque va s'arrêter là. Il s'est là. Blessé, Messi. Estric. 4. Ouais, c'est, on n'a pas besoin de rappeler le score. On sait, il y a 4-0. On vient d'assister à une première période à sens unique, hein, Pierre. Est-ce que la deuxième sera celle du réveil? Ah, ça, on peut pas trop le savoir. On peut donc. Attention à la frappe. Non, putain, mais. Pour le gardien. Allez, corner. Mais cassez-vous, ton Ter Stegen. Dante. Ah non, ballon perdu. Andrés Iniesta. Non mais 10-0, toi t'es pas fou, toi. Jordi Alba. Ouais, c'est sur le contrôle là qui perd le ballon. Ricardo Pereira. Un redoublement de passe, bien joué. Les 30 derniers mètres. Allez. Avec un tir. 2 pour 10. Putain, quand même. C'est ce que tu crois. 4 buts à 1. Je crois qu'on croit plus à une remontada plutôt qu'à une plutôt que 11, je pense. Lionel Messi. Mais c'est vrai, Hugo. Une remontada est plus probable que le 10-1. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, le grand danger. Il frappe vers le but vide. Oh oui, un but. Hugo. Un autre but quasiment coup 12-2, c'est ça. Ça fait 2 buts. Deux buts marqués vraiment coup sur coup. Il mène à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Messi, non, il perd le ballon. Jean-Michel Seri. Allez, peut-être une bonne occasion. Et le Barça qui continue, il y a avantage. Rakitic. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Cyprien. Ah,
Estric. Jordi Alba. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ça sort pas. Attention, il a du champ devant lui. Sergio Busquets à l'interception. Qui va donner ce centre. Il est mal centré. Dommage, un bon ballon d'attaque perdu. Il y avait faute, mais ça profite au Niçois, ça continue. C'est anticipé par Jordi Alba qui intercepte. Hugo, on est en train de douter. Oh là là, il sort balle au pied. Il sort balle au pied. S'il la perd, son entraîneur va vraiment lui parler du pays. Par contre. Oh l'erreur du gardien. Il était dans la surface. Ouais, c'est qu'il y a le ballon qui sort en corner. Suarez. Il s'en est fallu peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Le gardien qui va essayer de s'interposer. Jean-Michel Seri. Le but de Moi, je vous dis qu'il n'est pas joué ce match. Ah, t'as raison, Hervé. Il baisse pas les bras, bien au contraire. Il montre en bien. Ils seront là jusqu'au bout. Ah, les spectateurs qui sont gâtés, hein, 4-3. Ah, il est fou ce gardien, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'aventure en dehors de sa surface, il continue. Il poursuit sa course, il ne semble pas disposé à donner son ballon. Oh, attention, ça pourrait lui coûter cher. Ah là, ça me plaît. Je tire pas de la manche, j'attends. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Là! Il va marquer! J'étais sûr qu'ils allaient égaliser sur ce coup-là. Ah, le but était grand ouvert, mais ça passe à côté. J'ai trop le seum. Avantage. L'arbitre a vu la faute commise par le joueur du Barça, coup franc. Oh non. Ouais, c'est le jeune. Chouïa sévère. Je savais qu'il allait faire ça en plus. Ricardo Pereira. Oh, la belle passe. Bien repoussé. Non, sans problème pour le gardien. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ballon en retrait pour le gardien qui va pouvoir relancer. Oh, le gardien qui s'enflamme. Il a décidé de jouer dans le champ, mais il est complètement fou. Alors là, les 30 derniers mètres. C'est ça, oui. Ah, là, ça ne plaît. Faute mes couilles, oui. Bon, bah, ça devient fou cette histoire. Hein. Remonter 4 buts, à part un bon vieux Marseille-Montpellier de légende. On avait rarement vu ça, quand même. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans ce match. Très belle réaction de cette équipe. Non, je vais gagner. Qui prend le meilleur sur son vis-à-vis. Jean-Michel Seri. Une, deux. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe. Pas passé loin, mais on reste à égalité pour le moment. Les supporters qui poussent dans les tribunes. C'est ouais, partout tout le monde. Mathieu Bonnemer. Dommage, hein, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Non, tu sais que j'y vais encore. Il s'en est fallu d'un rien, c'est dommage. En plus, c'est un ballon hyper important à ce moment du match. Toi Hugo, tu sais pas ce que toi tu sais pas ce que tu risques. T'es que là si tu la perds, tu as de très grandes chances. Hors jeu. Une fin de match un petit peu haché. T'es que normalement il y avait hors jeu, Hugo, t'as une bonne tacle. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Non, je gagnerai pas. Mais j'aurai au moins un point. Ça je perds toujours un point. Suarez. J'ai dit un point. Mais si. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et quand? Attention, le but du chaos peut-être. Ce sera donc une sortie de but. Putain, quand même, j'aurais pas fait ça pour rien. Là, il passe de la tête. Putain. Cosiello. Estric.
Ils attaquent, une belle occasion de mettre la main sur le match. Voilà, ça ne peut. Elle marque. Oh, le but. Et l'équipe qui passe devant au tableau d'affichage. C'est pas possible. Je perdais 4-0. Ils ont tenu jusqu'à maintenant. Et voilà qu'ils se paient le luxe de prendre l'avantage dans les toutes dernières minutes. Non, c'est superbe ce qu'ils font vraiment. Maintenant, la victoire leur tend les bras. Alors qu'avant, le coup d'envoi, bah, tout le monde les donnait perdant. Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh ben, ça, c'est une faute. Coup franc. Il va être attentionné. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Andrés Iniesta. Sergio Busquets. Il gagne la possession. À moins. Joli quelle série. Ah, c'est fini. Et c'est fini dans cette rencontre. Alors...